Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a reçu à son cabinet une délégation de la Banque mondiale en mission d'appui technique en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette rencontre, le ministre et son hôte de marque se sont exprimés sur la question. Et les détails sont l'affaire d'Alain Canon, Sandrine Kouadio et Aimé Boudjé. Le projet Emploi Jeune de développement des compétences, PGDEC, a démarré en 2012. Objectif, faciliter l'accès aux opportunités d'emploi des jeunes de 18 à 30 ans. En prélude au démarrage de la phase 3 de ce projet, Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a reçu à son cabinet une importante délégation de la Banque mondiale en mission d'appui technique en Côte d'Ivoire. Le responsable principal des opérations a indiqué que la Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour accompagner sa jeunesse. Nous avons passé cette semaine avec les équipes du ministère et du BCPE pour faire le point sur l'état d'avancement des activités. Les activités ont avancé et maintenant nous sommes prêts à mettre en œuvre et rapidement pour toucher un maximum de bénéficiaires dans les régions. Donc les nouvelles sont bonnes et les équipes sont engagées pour avancer rapidement. Financé par la Banque mondiale, la phase 3 du PGDEC est estimée à 150 millions de dollars, environ 86 milliards de francs CFA. Saluant l'accompagnement de la Banque mondiale en faveur des jeunes, le ministre Mamadou Touré s'est réjoui de la mise en œuvre de ce projet, prévu cette année. Dès l'annonce de l'accompagnement donc de la Banque mondiale, vous savez, c'est quand même près de 86 milliards de francs CFA pour le financement du PGDEC 3. Cette mission était attendue après que le projet ait été validé l'année dernière. Et je me réjouis donc que dès cette année, nous pourrons commencer la mise en œuvre donc de ce programme. J'ai bien réaffirmé nos priorités et notamment la volonté du chef de l'État donc de donner un contenu à cette année de la jeunesse à travers le financement de l'entrepreneuriat, à travers le financement donc des jeunes, à travers la formation des jeunes, puisqu'il y a un volet formation professionnelle. Et donc je me réjouis donc que la mission d'évaluation ait abouti donc aux conclusions, notamment la nécessité d'aller plus vite dans la mise en œuvre donc des activités opérationnelles. Ce projet phase 3 vise à consolider les excellents résultats et les acquis obtenus dans les phases précédentes et surtout les innovations testées dans la phase additionnelle, notamment la décentralisation de la stratégie d'insertion par un accompagnement à l'autonomisation des collectivités territoriales locales et le renforcement du secteur privé à travers une contribution à l'amélioration du dispositif de formation professionnelle pour assurer la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée.